Désireux de se renforcer de façon importante, le PSG suivrait avec attention Ruben Dias. Mais le défenseur central de Benfica aurait été proposé à l'Atlético de Madrid. L'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait bien se montrer actif sur le marché des transferts. Bien que la priorité soit de recruter dans l'entrejeu, voire d'attirer un nouvel avant-centre en cas de départ d'Edinson Cavani, le PSG travaille également sur la possibilité de recruter un défenseur central afin de permettre à Thomas Tuchel d'avoir un large choix dans ce secteur de jeu, compte tenu de sa volonté de régulièrement changer de système. Et il y a quelques jours, Paris United faisait état d'un intérêt pour Ruben Dias, 21 ans, qui évolue au Benfica. Mendes propose Ruben Dias à l'Atlético, mais selon les informations de Rai Sport, Jorge Mendes, l'agent du défenseur central portugais, aurait proposé Ruben Dias à l'Atlético de Madrid. Il faut dire que les Colchoneros vont devoir se renforcer dans le secteur défensif puisque le contrat de Diego Godin va prendre fin tandis que Lucas Hernandez rejoindra la Bayern Munich pour 80 millions d'euros. Par conséquent, Jorge Mendes a sauté sur l'occasion pour offrir les services de Ruben Dias à l'Atlético de Madrid, sachant que Diego Simeone serait intéressé par le Portugais. Affaire à